Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Branchez Bus, une initiative pour accompagner les professionnels de santé durant cette deuxième vague de la crise Covid-19. Alors bonjour. Bonjour. Vous êtes le docteur Lopez Jean-François et je suis chirurgien digestif spécialisé en chirurgie de l'obésité. Le bus Covid est né de l'idée que nous avons eue chez Branchez d'apporter un soutien technique et psychologique aux équipes qui sont au travail en ce moment dans des conditions qui sont difficiles et fidèles à notre philosophie d'accompagner les professionnels et de les aider. On s'est dit qu'il fallait aller au plus près des professionnels et les aider, d'une part en leur expliquant les conséquences médico-légales qu'implique la situation du Covid, et d'autre part en les soutenant parce qu'il y a des phénomènes d'épuisement, il y a des phénomènes d'angoisse, il y a des phénomènes de dépression. Quel est le profil des médicaux qui viennent vous voir? Quelles sont leurs interrogations principales? Il y a des profils très divers, il y a des chirurgiens, il y a des anesthésistes, il y a des infirmières, il y a des aides-soignantes qui viennent. Chacun a ses problèmes et ses interrogations, bien entendu. Les demandes sont personnalisées, puisque chacun vit cette situation un peu différemment selon son rôle. Dans le bus, il y a une partie, comme on est ici, sur un peu formation générale pour un groupe, et après il y a une partie plus personnelle. Ça dépend. C'est à la demande des visiteurs. On a des groupes qui sont venus et qui ont des questions très précises de droit médical ou d'organisation réglementaire auxquelles on répond, et puisque c'est notre spécialité. On a des gens qui viennent parce qu'ils sentent que ça commence à devenir difficile dans leur métier et on peut leur recommander certaines attitudes ou même certains supports. En cette période très particulière de votre vie, je vous propose 5 petites séances de sophrologie. On a un service infectiologie qui travaille dans les mêmes conditions, donc 7 jours sur 7, pour répondre aux problèmes infectieux. Alors d'habitude, c'est pour des infections post-chirurgicales, mais là, évidemment, c'est pour des questions en relation avec le Covid, du genre: est-ce que je peux opérer tel type de malade? Qu'est-ce que je risque si le malade attrape le Covid après l'intervention, etc., etc. Donc c'est un deuxième service. On a les services d'une psychologue qui connaît bien ce milieu et qui peut venir en renfort soit auprès des chirurgiens ou des anesthésistes ou de leur équipe pour les aider à mieux supporter et à mieux expliquer ce qui se passe. Et on a même les services d'un sophrologue. Si on est vraiment stressé et que ça ne se passe pas bien, on a quelqu'un qui peut intervenir et qui, par vidéo, bien entendu, va vous expliquer un petit peu ce qu'on peut mettre en place, soit à titre personnel, soit dans une équipe, pour détendre un petit peu l'atmosphère qui est difficile en ce moment, bien entendu. Vous aurez le choix entre de la relaxation, de la respiration, des déplacements, du négatif, du sommeil express et également une séance spéciale encouragement. Il n'y a pas besoin d'attendre que Branchez intervienne dans des structures, que le bus Covid aujourd'hui vienne, mais il y a cet accès non-stop, personnalisé, à distance. Absolument, c'est-à-dire que les assurés Branchez bénéficient de tous les services dont je viens de vous parler, en plus du service chirurgical propre, c'est-à-dire que tous les référents de spécialité sont joignables 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre à des questions de type chirurgical, bien entendu. Et ces services sont directement disponibles, mais la présence du bus permet de personnaliser les réponses et constitue aussi une sorte de soutien psychologique professionnels qu'on pense devoir à nos clients.